Alors en plus, je suis sûr que vous êtes au courant, cette semaine a été quand même largement surchargée en informations de régulation. Le marché s'est un petit peu cassé la figure ces derniers jours, tout simplement parce qu'on a eu effectivement quelques annonces, particulièrement du régulateur américain, la SEC, qui a effectivement enjoint toutes les plateformes qui font de l'échange de tokens liés à des ICO particulièrement, à s'enregistrer auprès d'eux comme étant des acteurs financiers normaux, puisqu'ils permettent l'échange de ce que, d'un point de vue du régulateur, ils appellent des securities, donc des actions et des obligations. On verra que fondamentalement, ce qui est intéressant aussi cette semaine, c'est de découvrir à travers cette émergence du régulateur, et le régulateur va essayer, comme d'habitude, hein, toujours de prendre ce qui est nouveau et de le mettre dans ce qui est ancien. Et ce qui devient presque intéressant, c'est de voir que, en fonction du régulateur, le Bitcoin et les crypto-monnaies en général peuvent avoir des statuts juridiques très différents. Pour certains, ça va être un système de paiement. Pour d'autres, ça va être une commodité, donc une marchandise. Pour les autres, c'est donc une securities. Donc en fait, on a là un objet théorique qui m'apparaît très intéressant, c'est qu'il est tout en même temps. Et de fait, ça nous montre aussi là qu'on a peut-être un problème, c'est qu'on est bien face à une nouvelle classe d'actifs et qu'on ne sait toujours pas dans quelle catégorie la mener. Bon, reprenons un petit peu depuis le début. Essayons de voir bien entendu que, souvenez-vous, c'est souvent d'ailleurs des critiques qu'on m'amène, hein, particulièrement celles qu'on m'a fait en Russie, c'est quelle serait la portée de ces crypto-monnaies et de ces tokens dans le financement de l'économie? Et là, directement, hein, ouh là là, notre système est une économie monétaire de production, dixit Keynes, et donc de fait, sans monnaie de crédit, on aurait bien du mal à fonctionner. Ce n'est pas moi qui vous dirais le contraire, mais je ne suis pas sûr que, dans mon optique, je ne vois seulement ces crypto-monnaies comme d'habitude, hein, un moyen, une volonté de se substituer totalement, purement et simplement au système financier, normal. Non, aujourd'hui, il est profondément connecté à lui, il est complémentaire de lui, et donc ça ouvre de nouvelles voies de financement. Ce n'est pas du financement à crédit, mais c'est du financement quand même, et on pourra bien entendu le rapprocher pas à du financement direct, hein, comme ce qui se passe sur les marchés financiers, avec des acteurs à capacité de financement qui ont envie d'investir dans des secteurs d'activité qui leur semblent porteurs et qui leur permettront éventuellement de voir grossir leur capital, et des acteurs, eux, qui ont des besoins de financement et qui vont émettre des titres de créances négociables, actions, obligations, etc. Donc là, on est toujours, hein, dans un système plutôt où c'est, bien entendu, les dépôts passés qui vont permettre, hein, les crédits futurs, ou en tout cas le financement futur. Donc souvenons-nous aussi de notre première séance, qui revenait de manière très théorique sur ce que j'appelle le monnayage, et donc la monnaie comme un espace institutionnel. Et j'avais tout de suite bien essayé de symétriser, hein, le passage de ce qu'on appelle les systèmes de monnaie métallique, où on avait bien entendu des médiums monétaires, qu'ils soient d'ailleurs sous la forme papier ou directement de pièces et de billets, qui avaient, hein, une valeur en tant que telle, certains disent intrinsèque, pour souligner le fait qu'il existe un sous-jacent et que ce sous-jacent devait être 100% convertible, enfin 100% retrouvé par le déposant. Donc on a bien une différence fondamentale, hein, dans le monnayage entre un système métallique et un système de crédit. Souvenez-vous que d'un coup, dans le système de crédit, on va avoir une porte d'accès à la liquidité qui est différente. C'est que la personne en face de son banquier ne valorisera plus ce qui est son passé, mais bien entendu aussi ce qui est son futur. Comment vous allez pouvoir convaincre votre banquier que votre projet est rentable, et donc il a lui-même intérêt à vous accorder son prêt. Que ce passage à un système plutôt de monnaie de papier introduit un monnayage très particulier qui va bien entendu pousser à la centralisation accrue et l'émergence des banques centrales, ce qu'on avait vu dans notre séance 3, car de fait, ce nouveau monnayage va laisser ouvert la porte des défauts de paiement. À partir du moment où vous allez pouvoir réaliser des crédits, c'est-à-dire qu'une partie des avoirs monétaires ne sera plus 100% couvert en or, si la personne à qui vous avez prêté des avoirs ne réussit pas son calcul économique autour le temps du cycle économique, ben de fait, à la fin du cycle, vous aurez perdu ces sommes. Si vous-même, vous aviez des engagements réciproques avec d'autres acteurs, on rentre bien là dans des chocs qui peuvent avoir une dimension systémique. Donc bon, est-ce que les crypto-monnaies en tant que telles permettraient un financement de l'économie? Ben moi, j'ai tendance à penser que oui. Oui, au sens, encore une fois, d'un financement direct. Bien entendu, ce n'est pas un financement de type monnaie de crédit. Je laisserai ouvert la question de savoir est-ce qu'on ne verra pas émerger aussi, hein, des crypto-monnaies qui seraient ouvertes au crédit
Pour l'instant, chez moi, ce n'est que des petites idées, mais quand je vois ce qui se passe avec Lightning Network, j'ai tendance à penser qu'en fait, derrière ce genre d'implémentation nouvelle, on pourrait aussi voir se réintégrer cette dimension d'intermédiation bancaire avec des acteurs qui pourraient avoir envie aussi, en échange d'un taux d'intérêt, de se mettre en risque par rapport à l'emprunteur qui pourra toujours faire défaut. Ce qui peut devenir presque même intéressant pour nous qui venons des systèmes bancaires et financiers, c'est de se rendre compte que si ça doit s'opérer sur des réseaux Lightning, c'est que d'une certaine manière, on va retrouver ce que nos systèmes ont perdu, c'est des cloisons. Voilà. Vous savez, on a les 3D qui parlent de la financiarisation, des intermédiations bancaires, la perte de contrôle sur le crédit bancaire, en fait, la baisse des parts dans le financement total du crédit bancaire, la dérégulation. Vous savez que j'aime pas ce terme, parce que enlever des régulations, c'est mettre en place de nouvelles régulations, bien entendu, et l'absence de règles est une règle, n'en déplaise aux libéraux. Et enfin, bien entendu, le décloisonnement qui va s'opérer d'une certaine manière et qui va permettre à des banques qui devaient choisir entre être des banques de dépôt ou des banques d'affaires de pouvoir devenir ce qu'on appelle des banques universelles, c'est-à-dire qui mélangent les deux. Et de fait, ouvre la voie à un certain nombre de problèmes systémiques, puisque l'activité que vous faites au niveau affaires peut être garantie par l'activité que vous faites de crédit. Et en fait, on a en plus des banques qui prennent une taille très importante, donc des encours entre ces banques qui peuvent aussi devenir très importants en cas, bien entendu, d'une chute d'une de ces banques universelles. On a bien entendu un problème de château de cartes qui va s'opérer. Donc, voilà, souvenons-nous qu'on s'inscrit bien entendu là dans le cœur de la théorie économique, la question du financement. Et donc, on va essayer de voir en quoi les premiers projets, le premier projet c'est bien entendu le Bitcoin, s'est autofinancé d'une certaine manière. Et c'est ça qui peut devenir intéressant, c'est que, vous l'avez bien compris, les premiers projets, le premier d'entre eux c'est le Bitcoin, il s'est financé uniquement via sa valorisation boursière. Et cette valorisation boursière a permis en fait de rembourser d'une certaine manière les premiers acteurs qui avaient voulu participer à ce protocole et qui ont voulu bien entendu lui donner une valeur et avoir confiance. Donc cette valorisation boursière va rentabiliser les investissements. Donc, en fait, je pourrais aussi, d'une certaine manière, souligner. Donc, on a le mining, qui est une voie de financement, mais on en a d'autres. On va avoir, via le mining, ce qu'on appelle aussi le phénomène des instamines ou prémines. Et on va avoir une nouveauté qui a été mise en place par Omni, qui est bien entendu le fameux initial coin offering. Donc là, d'une certaine manière, je vous donne un petit peu les trois moyens assez nouveaux que vont avoir ces projets pour se financer. À tous ces moyens nouveaux, vous allez bien entendu rajouter des acteurs anciens. Il va bien entendu ici aussi se trouver des ventures capitalistes qui ont massivement investi, que ce soit directement dans des entreprises qui recherchent au niveau du protocole ou sur, bien entendu, des éléments qui vont venir se connecter au protocole. Pensez à des systèmes de paiement. On a eu du financement par des ventures capitalistes sur le minage, etc., etc. Donc, moi, mon but, c'est de vous présenter pour l'instant un petit peu ce qui est nouveau et il faudra bien sûr comprendre que cela se vient complémenter le système actuel. Alors, ça, on va dire comme d'habitude, le Bitcoin c'est le premier, c'est le pionnier, donc on considère qu'il est le modèle et tout ce qui s'écartera du modèle devient critiquable, discutable, voire même scélérat si on suit tout le monde, si on suit en tout cas les bitcoiners maximalistes. Et donc de fait, ils vont avoir une très mauvaise vision de ce qu'on appelle instamine et prémine. Est-ce que vous savez ce que c'est? Non. Alors, c'est l'idée que logiquement, en fait, un élément important du Bitcoin, c'est son Genesis Block. Souvenez-vous que ce premier bloc, il a un statut très particulier. Pourquoi? Parce qu'il est miné par le créateur. Donc c'est vraiment le démiurge ici du système qui va le générer. Et donc ici, on se souvient que dans le Bitcoin, et je vous l'avais rappelé, il a timestampé son Genesis Block comment? En intégrant dans le premier bloc une information sur la date de ce premier bloc. C'est en fait la une d'un magazine anglais
qui soulevait d'ailleurs le fait que les banquiers devaient, encore une fois, faire appel à l'argent public pour être sauvés. Donc ici, je vous l'avais dit, il y a une dimension politique chez lui de vouloir montrer aussi pourquoi il crée ce système, mais d'abord et avant tout, c'est pour dire « je veux que vous ayez confiance en moi, je veux que vous soyez assuré d'une chose, je n'ai pas truqué le système. Ce premier bloc, il n'y en a pas eu avant, et donc je n'ai pas moi-même accumulé de côté des unités que vous ne connaissez pas et qui vont, moi, de fait, me rapporter beaucoup. » Donc ici, il y avait vraiment l'idée de « ok, on commence tous ensemble à miner » et d'une certaine manière, chacun a la même chance d'être financé. Ça, c'est l'histoire. Mais je vous rappelle que dans la même histoire, on a un Satoshi Nakamoto qui monte au créneau quand certains acteurs veulent intégrer le système, devenir mineur ou accepter des paiements, parce que lui-même souligne l'importance d'avoir une augmentation du protocole et de ses membres cohérente, pas trop rapide, sans quoi le protocole lui-même serait mis en danger. Donc là, j'ai tout de suite envie de souligner, attention, on peut là quand même discuter de qui avait réellement accès en 2009 au minage de ce protocole. Vous étiez face à une population ultra compétente, c'était les gens vraiment qui avaient pensé depuis 10 ou 20 ans ces éléments techniques. Il faut être codeur pour pouvoir miner à l'époque, il faut vraiment avoir un certain niveau. Hein. Moi, je n'ai pu commencer à miner moi-même que quand des logiciels avec des UX spécifiques pour les noobs se sont mis en place, c'est-à-dire on n'avait qu'un clic à faire pour que ça mine. Parce que sinon, moi, j'avais envie d'essayer. Au début, ça m'apparaissait vraiment hors de ma portée. Donc, pourquoi je donne un petit peu ces éléments d'histoire? Parce que l'instamine et le pré-mine, grosso modo, c'est soit vous allez avoir des acteurs qui ont miné la chaîne, qui ont commencé dans un cercle fermé et qui ne vont libérer leur code que passé une certaine date. Et donc, de fait, on a bien les cœur des développeurs qui minent pour eux au début, avant d'ouvrir leur protocole à tous, et là, chacun, en fonction de sa puissance de calcul, pourra bien entendu prendre des récompenses. Et ça a été vu pour ces projets-là comme une manière aussi d'être sûr tout de suite, d'avoir de quoi se financer, financer ses développeurs, et donc financer éventuellement l'infrastructure, avoir des serveurs, les louer, etc., etc. Ne l'oublions pas, hein, c'est une question principale qui se pose depuis maintenant un certain temps, depuis l'émergence en fait du libre, c'est quel est le modèle économique qu'on va pouvoir trouver pour rendre viables ces productions. Parce que c'est bien beau d'avoir des développeurs bénévoles qui travaillent, mais effectivement, ça peut poser un certain nombre de questions. Sécurité du logiciel lui-même, si on a trop peu de développeurs derrière, il y a des coûts afférents au maintien de certains logiciels ou protocoles. Et donc, de fait, on voit un petit peu mal pourquoi ça serait seulement des gens complètement déliés les uns des autres qui prennent ce risque-là tout seuls et qui pourraient se voir, en fait, perdre un certain nombre de ressources. La pré-mine, ça va être à peu près similaire dans l'idée. C'est bien l'idée d'avoir des récompenses des premiers blocs qui vont être directement données à certains acteurs, mais qui vont ici s'opérer par, en fait, certains blocs spécifiques vont comporter des récompenses plus importantes que ce qui, à terme, sera l'inflation générale de l'émission. Donc, dans les deux cas, vous avez bien des groupes de développeurs qui s'octroient une partie des récompenses premières pour financer leur développement. Et ça, les bitcoiners maximalistes, c'est pour eux déjà la marque d'un projet qui ne vaut pas le coup, puisque fondamentalement, on a là des gens qui souhaitent s'enrichir pour eux-mêmes. Alors, toujours, n'oubliez pas que dès 2013, on a quand même une flambée des altcoins et des crypto-monnaies et qu'on en a qui ne servent qu'à une chose, hein, c'est effectivement enrichir les mecs qui l'ont monté. Au bout de 6 mois, elle a pumpé énormément, son prix a été multiplié par 100, les mecs sortent, le prix tombe à zéro et tous ceux qui sont montés, en fait, n'ont fait qu'enrichir les premiers arrivants. Là, on a bien entendu un problème de protection des investisseurs qui n'étaient peut-être pas suffisamment informés, mais on pourrait montrer que d'une certaine manière, le projet Ethereum, par exemple, il est financé via une ICO, avec d'ailleurs une prémine de ses premiers Ethers qui vont être distribués aux gens de l'ICO et qui va après, bien entendu, s'ouvrir à tous. Donc là, hein, ces éléments-là sont logiquement assez mal vus. Moi, je trouve que pour des personnes qui souhaitent construire un protocole d'envergure, de fait, ça leur impose un certain nombre de coûts, qu'ils aient tout de suite une question de comment on va se financer et comment d'ailleurs on va se financer à moyen et long terme, c'est une question qui m'apparaît, à la limite, intéressante. Il est clair, par contre, qu'ici, on sort de la gouvernance que je vous avais présentée du Bitcoin. Ici, de fait, si vous avez des ressources qui sont dirigées vers des acteurs, c'est que ces acteurs, eux,
ont été définis comme des éléments importants de ce protocole. Donc on va avoir hein, un certain nombre de choses, enfin, de personnes qui, en fait, vont tenir ces protocoles. Donc des prémines, des instamines, on a des monnaies comme Dash, par exemple, qui en a fait. Alors en plus, lui, on l'a beaucoup accusé d'avoir essayé de faire un scam, c'est qu'on a une genre de prémine très importante, et eux se cachent derrière le fait qu'il y aurait eu un problème logiciel, ou à un moment, un bloc a miné trop de monnaie, et donc c'était pas vraiment prévu. Bon, de fait, aujourd'hui, Dash est encore là. Alors, comme cette prémine et cette instamine ne plaisent pas, bien souvent, les projets qui font ce genre de choses sont tout de suite forqués par d'autres individus pour refaire le même système sans les prémines et les instamines. Je pense à Dash qui s'est transformé en Pivix, par exemple. Vous avez Zcash aussi. Zcash, hein, important, parce que là, en plus, on a des montages de plus en plus complexes. C'est vrai qu'avec Zcash, vous allez avoir, bien entendu, une récompense, des récompenses très importantes au début, qui vont avoir des acteurs à aller financer. Et en plus, eux, ils ont une fondation, mais une entreprise. Et donc là, on a eu un certain nombre d'investisseurs hein, qui avaient aussi droit à ces éléments-là. Bon, certaines personnes de la communauté n'étaient pas d'accord, et ils ont forqué ce projet pour avoir Zcash classique, je crois. Et donc voilà, comme d'habitude, tout ce qui viendrait souligner une tête ou des éléments de décision intuitu personae des personnes, pour les bitcoiners maximalistes, c'est plutôt un gage de défiance puisqu'on est très loin de l'or Eldorado de décentralisation. Moi, souvenez-vous, la décentralisation pour moi, c'est quelque chose d'assez multidimensionnel, c'est des choses à préciser. Elle n'est pas enviable en soi-même, la décentralisation. C'est un moyen pour avoir, pour moi, plus de démocratie, pour être sûr qu'il y a une pondération des pouvoirs. Donc, ce n'est pas forcément le critère qui m'apparaît le principal. Et de fait, de voir en fait des systèmes qui pensent tout de suite leur développement futur et donc un financement futur, je trouve ça assez malin. Et c'est pour ça que je vous avais déjà souligné que, par exemple, dans le cas de Dash, les récompenses du mining ne vont pas directement ne vont pas à 100% aux mineurs, mais sont réparties entre différents groupes, les mineurs, mais aussi les masternodes. Et de fait, une partie de la récompense vient dans un compte qui est le compte de la communauté et dans lequel on va pouvoir taper pour financer des propositions. Et ces propositions seront elles-mêmes votées par les masternodes. Donc là, on a vraiment la capacité. On se dote d'une forme de démocratie. Vous n'avez pas que ces systèmes. Hein. Je pense qu'un système comme Decred ferait peut-être plus l'unanimité, par exemple, en termes de choses un peu plus clean. Voilà, Decred aussi, on a une partie de la récompense qui va financer un fonds, qui va bien entendu permettre à ces acteurs de payer des développeurs. Rien n'empêche après hein, de penser une décentralisation. Vous avez des bounties, telle et telle implémentation technique, vous la financez via des récompenses que la communauté a données. La personne qui réalise l'implémentation, et ça marche, il obtient la récompense, le fameux bounty programme. Donc ça, encore une fois, hein, on a là des éléments qui peuvent être intéressants et qui peuvent amener en fait une rémunération directe dans le cyberespace qu'on n'avait pas forcément vu au départ. Je vous rappellerai d'ailleurs, un certain nombre de ces petites monnaies sont d'ailleurs mises en place pour financer directement ou faire des tips sur Internet. Le Dogecoin était un petit peu une blague qui aujourd'hui pèse quand même quelques millions d'euros, peut-être même quelques milliards. Et donc voilà, vous avez là la volonté aussi d'aller rétribuer des gens sur Internet, alors même qu'Internet, pendant les 15 ans de son existence, s'est toujours posé la question de savoir comment on pouvait se financer. Bon, ces deux systèmes-là sont directement liés à la récompense du minage. Et donc, il faut toujours qu'il y ait de la valorisation boursière pour que cela fonctionne et que, bien entendu, vous n'ayez pas un capital qui baisse. D'une certaine manière, la vraie nouveauté, en tout cas la vraie nouveauté, oui et non, parce que ça ressemble beaucoup à ce qu'on connaissait, les initial coin offering vont amener effectivement un certain nombre de questions, et particulièrement des questions de régulation. Donc, l'idée, tout le monde voit à peu près ce que c'est, on a un smart contract dans lequel on va pouvoir envoyer des monnaies. Logiquement, ça devrait être des crypto-monnaies, hein, parce que, comme d'habitude, vous savez bien que les mots qu'on utilise dans ce champ sont encore très malléables et deviennent peut-être même problématiques. Il y a un très bon article, je vous enjoins à le lire, qui a paru cette semaine sur le fait que le mot blockchain est devenu, effectivement, n'a plus aucun sens, puisqu'on range derrière lui tout et n'importe quoi. Je m'inscris totalement là-dedans, et c'est vrai que j'ai fait une interview sur Spoutnik
la semaine dernière, qui a été publiée hier. Et je me rends bien compte de ça. Mais c'est vrai que le format radio est tellement petit et qu'on a tellement peu la parole et on nous enjoint à ne pas rentrer trop dans les détails pour ne pas perdre l'auditoire, qu'on a du mal à expliquer que là, on parle indifféremment d'une monnaie banque centrale, d'un système SWIFT sur de la blockchain et des crypto-monnaies. Waouh, on est en train de parler de crypto-monnaies réellement, c'est-à-dire plutôt décentralisées. On met dans le même sac des blockchains qui sont peut-être permissionnaires. Donc là, directement, on est sur une base de données, bon enfant. Ça n'a pas les mêmes enjeux du tout juridiques, ça n'a pas les mêmes enjeux sociaux et politiques. Donc de fait, ça sera aussi à nous un moment d'arriver à trouver les bons termes. Parce que là, pour l'instant, on se passe la patate chose. On a ce mot valise blockchain qu'on utilise à tire-larigot. Bon, on voit à peu près ce que ça veut dire. Mais en même temps, ça pose, selon moi, vraiment un certain nombre de problèmes, même pour moi académique, parce qu'il faudra bien qu'on arrive à trouver des mots précis. Et les initiales coin offering, c'est pareil. C'est-à-dire que... Oui. La référence de ton article, qui est sorti cette semaine ? C'est pas un article académique, c'est un article que j'ai vu passer sur Twitter. Il circule en ce moment sur Twitter. Je te donnerai ça tout à l'heure. Je vous le filerai sur l'élément, mais qui est vraiment... Puis elle repart d'une auteure que je vous avais enjoint à lire, c'est Angela Walsh, qui donc à Princeton, et qui a vraiment tout de suite, elle, souligné le problème de vocabulaire, un vocabulaire juridique problématique. Quand on lit ces articles, elle est allée regarder, hein, il y a des premières lois qui sont passées aux États-Unis, et pour venir réguler une chose, il faut déjà la définir, cette chose. Lisez les définitions juridiques d'une blockchain, c'est surréaliste. Que le législateur soit directement en train de dire oh, « une blockchain, c'est décentralisé », waouh, non, c'est distribué, déjà, ok, il y a plusieurs nœuds, mais si ces plusieurs nœuds sont dans les mains d'une seule personne, ce n'est pas de la décentralisation. Il faut être précis, parce que si on n'est pas suffisamment précis, il y a des choses qui ne rentreront plus dans la catégorie juridique qu'on a créée, et donc on est en train en fait, de passer à côté peut-être ce qu'on aurait aimé en faire. Et les initial coin offering, à la base, c'est quand même un petit peu la révolution des smart contracts. Voilà, c'est vraiment l'idée de Nick Szabo, c'est on va pouvoir interagir sans se faire confiance parce que celui que vous avez en face de vous ne peut pas tricher. Vous avez le code du smart contract, il est écrit précisément dedans combien vous allez envoyer, combien vous pouvez envoyer, ce que vous allez recevoir en échange, et éventuellement même si, logiquement, il y a des jauges, hein, l'idée c'est qu'on veut se financer sur un projet, on va demander tant d'argent avec un soft cap et un hard cap. Le hard cap, c'est le maximum qu'on est prêt à prendre, et le soft cap, c'est le minimum sans quoi on ne pourra pas financer et porter le projet jusqu'au bout. Donc, de fait, logiquement, si le smart contract n'arrive pas à sa limite, il va refinancer directement toutes les sommes qui ont été envoyées directement au wallet qui leur avait envoyé ces sommes. Maintenant, directement, en tout cas à partir de 2017 et 2018, on a vu de plus en plus d'ICO se faire financer en Bitcoin, en Ether, mais aussi en dollars, en euros ou en roubles. Bon, là, c'est sûr que chez certains, c'était pour eux, ah, c'est pas une ICO. Ah, on est très loin, effectivement, d'une ICO au sens smart contract. Il n'y a pas d'intermédiaire entre les deux, donc on sait ce qui se passe. Ah non, à partir du moment où on voit de l'euro ou du rouble arriver, c'est qu'il y a forcément un canal bancaire qui s'ouvre, donc en fait, des acteurs entre les deux. Et de fait, ce n'est plus directement décentralisé. Bon, là encore, on est face à un objet encore très malléable. Moi, je comprends aussi que des projets aient voulu se connecter au système bancaire, car des investisseurs plus traditionnels ou même les nouveaux investisseurs de la fin de 2017 peut-être avaient plus de simplicité à se voir payer en euros, payer en euros leur token que directement en crypto-monnaie. Bon, et ces ICO, d'une certaine manière, on les a beaucoup symétrisés avec les IPO, hein, ce qui se passe sur les marchés financiers. Mais si effectivement on a bien des entreprises, ici des projets, qui vont émettre des tokens, ces tokens, ils vont avoir des utilités, des usages très différenciés. Et donc, pareil, ces tokens, on va voir que juridiquement, on va pouvoir leur trouver différents statuts juridiques. Si directement votre token vous donne un droit aux revenus générés par le projet, bah de fait, on est là face à une action, à une part. Mais il y a des tokens, la plupart ont essayé de se décrire comme ce qu'on appelle les utility tokens. C'est-à-dire qu'au fond, vous achetez un token parce que vous voulez financer une nouvelle plateforme, un nouvel usage sur Internet, et ce token sera nécessaire pour utiliser cette plateforme. C'est un peu une prévente
de votre marchandise. Donc logiquement, la plupart des projets se sont dit, tiens, ça, c'est ce qu'on va essayer de créer, parce que là, à la limite, fondamentalement, on met de côté un petit peu de TVA, et ça devrait passer juridiquement comme ça. Malheureusement, c'est vrai que la SEC commence à nous dire, ah, moi, tout ce que je vois passer, c'est du securities. Donc en fait, qu'importe le design un petit peu, et aussi la rhétorique hein, qui est développée par le projet pour se protéger, eh ben, le régulateur, il dit, dans tous les cas, vous nous vendez des parts, elles donnent droit à plus ou, enfin, elles donnent des droits plus ou moins différenciés, ça peut être des droits d'accès, des droits à revenus, ça peut être des droits à utiliser la plateforme, etc., etc. De fait, pour nous, c'est d'une sécurité, donc on doit pouvoir la réguler. Vous ne pouvez pas faire n'importe quoi, et de fait, fondamentalement, moi, ce qui m'amuse presque ici, c'est qu'on a un symétrique avec la fin du 19e siècle, la première poussée réellement financière. Souvenez-vous, hein, quand on commence à voir émerger les sociétés par action, de fait, c'est nouveau, il n'y a pas de réglementation et on a un pléthore de projets qui montent et des projets tout autant surréalistes que ce qu'on a pu voir dans les ICO. Là, vous avez des passages chez Georg Simmel qui sont vraiment très intéressants. Ça va de des personnes qui veulent plusieurs millions d'euros pour aller développer une colonie en Amérique du Sud parce qu'il y a beaucoup d'argent à prendre. Bon, là, on peut se dire, à la limite, on voit à peu près sur quoi la valeur sera. Je me souviens d'un projet très fun où Simmel nous explique que le mec avait fait une levée de fonds sur un projet secret dont le secret ne sera pas révélé tout de suite pour ne pas l'épuiser. Je propose qu'on fasse une ICO secrète. On ne propose pas encore, on ne définit pas encore l'utilité du token parce que c'est une surprise, quoi. Bon, vous voyez bien, et là, bien entendu, c'est nouveau. On a des prix très faibles, des parts qui peuvent avoir un coût facial très faible, donc tout le monde peut en acheter. Et de fait, une grande partie de ces projets va faire faillite et vous allez avoir des petits épargnants qui ont perdu énormément d'argent. Et là, comme d'habitude, hein, c'est ce que j'avais essayé de vous montrer la séance 3, c'est contrairement à ce que certains veulent croire, c'est que la Banque centrale est un géant qui est arrivé, on ne sait pas trop d'où, pour intervenir sur des acteurs qui n'avaient aucun souci et qui étaient libres de contracter. Non, c'est le marché et ses problèmes et ses défaillances qui a engendré un besoin de régulation. Et de fait, les régulateurs ici vont se retrouver à devoir trouver un certain cadre réglementaire pour protéger les personnes qui investissent, tout en protégeant d'ailleurs les gens qui souhaitent demander de l'investissement. On veut bien entendu avoir un petit peu du bon pour tout le monde, que des entreprises solides et sérieuses puissent bien entendu lever des fonds, mais qu'on n'engage pas non plus tous les deniers de la famille et qu'on n'amène pas des familles entières à devoir vendre leur maison ou ainsi de suite. Et donc de fait, là c'est pareil, un truc très important qu'il faut quand même qu'on garde en tête, c'est que dès qu'on a une aujourd'hui sur les crypto-monnaies, oh les régulateurs tapent du poing sur la table, ça y est, ils voudraient bannir les crypto-monnaies, ça serait mauvais signe. Je le rappelle, en fait, non, ce n'est pas forcément mauvais signe, car d'une certaine manière, c'est ce processus de va-et-vient, les acteurs agissent, ça pose des problèmes, le régulateur ne peut plus faire comme s'il ne voyait pas les problèmes, tout simplement parce qu'il y a des gens qui vont devant les tribunaux. On a des gens aujourd'hui qui vont devant les tribunaux. On a des class action contre Tezos, on a des class action en fait, contre un certain nombre de projets qui ont levé quelques millions. Et là, de fait, hein, l'espace judiciaire, il ne peut pas faire comme si on ne l'avait pas appelé. Et là, il lui faudra trouver une solution. Donc, au même titre, est-ce que quand, par exemple, la Russie nous dit qu'elle va logiquement interdire à sa population de jouer avec les crypto-monnaies comme ça, il faudrait être un investisseur, avoir le statut d'investisseur. C'est déjà ce qui se passe dans le système financier. Tout le monde ne peut pas rentrer comme cela sur les marchés financiers. Il vous faut au minimum avoir le statut d'investisseur. Et à partir de là, on considère que vous ne faites pas trop n'importe quoi, que vous ne mettez pas l'argent de votre famille n'importe où. Donc d'une certaine manière, c'est aussi peut-être par cette régulation qu'on aura de plus en plus une pénétration des crypto-monnaies dans la société parce qu'on leur donne un statut juridique. Et que ce statut juridique, ne l'oubliez pas, ça vient à réduire l'incertitude et particulièrement l'incertitude radicale qu'ont à faire face la plupart des entrepreneurs dans ces nouvelles technologies. Mettez-vous à la place de gens qui ont investi massivement dans du minage, dans des fonds de pension, dans des fonds d'investissement en crypto-monnaie. Eux, à un moment, ils ont un besoin de savoir exactement ce qu'ils ont à payer en fin de mois ou en fin d'année et de voir à peu près comment leur environnement juridique évolue. Donc aujourd'hui, le fait que des grands régulateurs souhaitent clarifier un petit peu plus les choses, oui, c'est sûr que ça va nettoyer un petit peu tout ça et ça ne va pas forcément se faire avec beaucoup de plaisir. Mais d'une certaine manière, j'ai tendance à penser que pour les entreprises qui veulent en faire un business légal et déclaré,
ben, on est en train de passer des étapes importantes ici. Et de fait, particulièrement, on pourrait voir arriver un certain nombre de réglementations précises, comme sur les marchés financiers. Est-ce qu'il est normal de pouvoir participer à une ICO avec 10 euros ou 15 euros? Parce que là, de fait, on permet à tous d'en acheter, et donc on a en fait un risque d'ailleurs qui n'est jamais le même. Hein. Ce n'est pas la même chose que de mettre 100 euros quand on a un revenu de 500, que de mettre 10 000 euros quand on a un revenu d'un million. Le risque n'est pas le même, les arbitrages ne sont pas les mêmes. Et là, pareil, c'est ce que Zimmel appelle les sensibilités différentielles. Attention, ça change la rationalité des acteurs. Donc, on a un certain nombre de problèmes et de questions à se poser. D'ailleurs, ces questions sont posées avant même que le régulateur vraiment soit appelé à la rescousse. Il était clair pour beaucoup que derrière les ICO, on avait quand même aussi un certain nombre de problèmes et d'arnaques, et qu'il fallait peut-être trouver, comme d'habitude, des éléments de bonne conduite. J'espère que vous vous rendez compte, pour des gens qui n'aiment pas les intermédiaires et les institutions. En fait, ils n'aiment pas les institutions formelles. Ça, on a bien compris, le formel, ils ne l'aiment pas. Quoique, parce que le formel, je vous le rappelle, hein, en tout cas chez Norse, c'est tout ce qui est écrit. Et on a souvent à tort, dans nos têtes, l'idée que ce qui est institution formelle relève de l'État ou des administrations publiques uniquement, et tout le reste serait de l'informel. Non, les entreprises ont des règlements intérieurs, une école aussi, c'est de l'institution formelle. Quand je vous ai montré comment, à travers la gouvernance, on va, via GitHub, pouvoir modifier le protocole, je vous l'ai tout de suite dit, waouh, attention, on est bien face à une institution formelle. On a spécifié des procédures à respecter pour pacifier. Alors là, ils ne veulent peut-être pas l'entendre, mais c'est bien des institutions qui se sont créées. Donc, comme d'habitude, ce qui les gêne, c'est que l'institution soit estampillée État. Bon, je ne sais pas si un État les a mordus quand ils étaient petits pour avoir une phobie comme ça de l'État. J'ai moi-même un certain nombre de problèmes avec l'État comme construction institutionnelle très d'ailleurs différente, et c'est ce qu'on verra très bien avec l'exposé de Marine. C'est comme d'habitude, prendre l'État comme un monolithe, c'est se tromper. L'État est construit sur différentes administrations, elles peuvent avoir des rationalités très différentes et des intérêts très différents, voire même opposés. Et c'est ça qui va devenir intéressant. C'est de voir comment même au sein de ces administrations, des objets comme les nôtres, et comme les plateformes de crowdfunding, n'ont pas donné la même appréhension par ces régulateurs, car ils n'y voient de fait pas la même chose. Oui. Les ICO, c'est pour contourner une censure, parce qu'on ne pouvait pas le mettre sur un site de crowdfunding, on ne pouvait pas le faire autrement. Donc en fait, ce qu'on va réguler, c'est dire un marché classique, personne n'interdit de déposer un dossier à la SEC pour ouvrir un marché sur le trading après, par exemple, au Nasdaq. Du coup, moi, ce que je vois, c'est forcément pour éviter la censure, donc ça sera Darknet. Les ICO qui voudront être régulés ne pourront pas, parce que c'est un outil anti-censure. Là, encore une fois, tu viens avec un fond philosophique qu'elle tient, que je peux comprendre, mais moi, que des acteurs veuillent faire des levées de fonds en souffrant. Si c'est régulé, parce qu'encore une fois, parce que, qu'on le veuille ou non, c'est pas exactement la même chose qui est en train de se passer là que dans des IPO. Exactement comme les plateformes de crowdfunding amènent un nouveau canal de financement. Qu'on le veuille ou non, c'est bien un nouveau canal de financement. Ça sera une forme de crowdfunding, sauf qu'attends, c'est pas les récompenses ici, c'est des tokens, donc c'est pas exactement la même chose. Maintenant, c'est pour le coup, ce que tu amènes, et moi m'intéresse beaucoup, c'est la réponse que je vais faire aussi à mon collègue russe. C'est waouh, dans son exposé lui-même, il venait de nous souligner, il nous avait fait une grande analyse de toutes les banques russes, pour souligner d'ailleurs ce que je sais depuis que je suis dans mon centre de recherche, c'est waouh, ce qui est intéressant en Russie, c'est que les banques existent, mais elles financent peu l'économie. Et c'est souvent même des banques de firmes qui financent l'économie, ce n'est pas les banques elles-mêmes. On a une politique de monétaire très frileuse, très mainstream aujourd'hui, et donc ils ont un problème de financement. Et cet acteur qui m'attaque sur « Ah, mais ces crypto-monnaies ne servent à rien, elles ne financeront rien », je le renvoie à son papier qu'il m'a présenté. Je lui dis « Mais attendez voir, apparemment, vous-même, votre critique, c'est de dire aujourd'hui, on a un système par financement, par monnaie de crédit, qui n'est pas ouvert à tous ». Et là, la question, c'est qu'on a bien des acteurs qui auraient aimé se financer et ils n'ont pas trouvé ni des crédits, ni des marchés financiers accessibles. De fait, des plateformes de crowdfunding se montent. Là, l'État, il ne peut que concevoir qu'en fait, on a des acteurs avec des statuts et des usages spécifiques qui ne trouvent pas dans les canaux ouverts les éléments de leur financement, qui vont en ouvrir d'autres et il faut les réguler. Et j'ai tendance à penser là, c'est exactement pareil. D'une certaine manière, et c'est pour ça que moi, quand je vois beaucoup de bitcoiners dire « Voilà, les maximalistes, surtout les ICO, c'est que de la merde. »
les certains, pas tous, heureusement. Et d'ailleurs, je rappelle, hein, quand on a financé par ICO Ethereum, l'ICO ne s'est fait qu'en Bitcoin. C'est la communauté Bitcoin hein, qui a bien entendu financé Ethereum. Donc, comme d'habitude, mon but, c'est de souligner de l'hétérogénéité. Parce qu'en plus, en ce moment, on pose des questions, mais alors, Bitcoin, c'est quoi? Qui pense quoi? C'est qui décide? Non, il y a une communauté aujourd'hui tellement grande que même l'esprit cypherpunk s'est un petit peu évaporé. Il est conservé par le code lui-même. C'est toute cette gouvernance un peu conservatrice que j'ai présentée et que je trouve intéressant, en fait, pour définir un socle et être sûr qu'il ne bouge pas trop vite. C'est que c'est le passé qui est le socle. Le statu quo, c'est la règle. Et pour le changer, ce statu quo, il va falloir vraiment un consensus très, très important. Mais quand on voit émerger toutes ces plateformes, moi, je vois surtout, en fait, un écosystème qui naît. Et qu'on soit clair, si on pense à Ethereum, on se rend bien compte qu'Ethereum, en tant que tel, c'est une couche fondamentale, mais sur laquelle il va falloir mettre énormément d'autres couches pour que ça devienne fonctionnel à terme. Et donc, de fait, avoir énormément de projets qui se montent, peut-être avec des équipes qui ne sont pas forcément compétentes d'ailleurs, hein, mais qui veulent faire des smart contrats de casino, des smart contrats d'assurance, des smart contrats de gestion d'identité, tous ces blocs-là sont nécessaires à l'émergence d'une qualité. Qu'on le veuille ou non, le hack de la DAO pour moi est un élément essentiel de l'histoire d'Ethereum. Sans lui, peut-être qu'on n'aurait pas focalisé autant notre attention sur la sécurité. Sécurité, d'ailleurs, je trouve encore pas suffisamment financée, parce que je pense que c'est un enjeu très, très important de ces protocoles et de l'avenir économique. Parce qu'aujourd'hui, quand on voit le hacking et l'importance que prend les réseaux dans nos vies, avoir des gens solides et des protocoles solides au niveau sécuritaire, ça devient essentiel. Donc, fondamentalement, moi, ces ICO, c'est sûr que ça a été une explosion. On en a eu plein, avec des projets qui, au début, étaient portés par des équipes plutôt bonnes. C'est vrai que dites-vous bien, on l'a souligné tout de suite, des gens compétents dans ces domaines, ils sont peu nombreux. Donc c'est sûr que les premières personnes compétentes avaient des idées, elles se sont financées. Bon, ça va faire un an et demi, deux ans là, hein, qu'on a eu ce phénomène. Donc regardez un petit peu les ICO aujourd'hui, je vous conseille toujours de jeter un œil, celles qui sont sponsorisées sur Twitter par exemple, ou les trucs un peu bizarres que vous voyez, puis allez regarder leur white paper s'il y en a un, ou sinon leur site internet. Allez regarder le visage de leur équipe. Je ne sais pas si vous avez vu cette semaine, vous aviez un acteur américain. Ils prennent des photos en accès libre et puis ils mettent n'importe qui. Bon, voilà, il faut bien entendu se renseigner. Il y a de l'arnaque et il y en a de plus en plus, puisqu'aujourd'hui, d'une certaine manière, les meilleurs ont déjà des projets qu'ils sont en train de développer. Donc là, on a une deuxième vague un petit peu problématique où peut-être qu'effectivement, un, on voit bien qu'ils récupèrent moins d'argent qu'avant, et deux, c'est peut-être plus les plus compétents. Mais comme il faudra aussi de plus en plus de monde de compétents, qu'ils se fassent la main sur des projets un peu fumeux, pourquoi pas? On est en droit, effectivement, là, de se dire, bon, pourquoi pas, mais ça serait bien que les investisseurs soient au courant et qu'on n'ait pas levé 15 millions. Ça, c'est certain. Donc, mais comme on n'avait pas de régulation, ben, ils ont commencé, les gens du milieu, à vouloir créer un petit peu des bonnes pratiques. Donc là, on revient toujours, hein, ils vont institutionnaliser des institutions, enfin, ils vont essayer de trouver des institutions, ils ne veulent pas utiliser ce mot-là parce que ça les dérange un peu, mais voilà, on va avoir des gens qui vont créer des bonnes pratiques, ce qui doit être fait, et donc on a d'une certaine manière aujourd'hui, hein, il faut quand même un white paper assez précis. Si votre white paper, c'est juste un copier-coller de différents white papers, ça a été le cas dernièrement de Tron, par exemple, bon, bah, vous pouvez le faire, on ne vous en empêche pas, mais c'est sûr que si on remarque que vous n'avez rien fait, que vous avez juste volé dans plein de projets, on peut quand même douter de la pertinence de votre projet. Bon, ici, de fait, on a bien entendu un très grand nombre d'usages et de pratiques qui sont apparus avec des pratiques qui sont des pratiques frauduleuses et qui demandent des régulations, qu'elles soient par les acteurs eux-mêmes, pourquoi pas, mais moi j'ai tendance à penser que justement, ces acteurs un petit peu très libertariens et cypherpunk, ce qu'ils nous disent, c'est que logiquement, il faut faire confiance en l'humain. Hein. Tout passe par de l'interaction interindividuelle. Pourquoi avoir des règles et des états qui viennent nous contrôler? Ben, je ne sais pas, mais ils n'ont qu'à regarder tout ce qu'on voit dans notre milieu-là aujourd'hui. Faisons confiance à l'humain. Hein. Il va nous proposer des montées, des ventes excessives de tokens pour des projets qui ne valent rien ou qui vont être fermés du jour au lendemain. Et donc, bah, moi, je trouve que c'est un bel exemple de attention sans règles,
sur lesquelles on va pouvoir, bien entendu, la rendre opératoire, hein, la règle. C'est toujours la question. Et c'est pour ça que les institutions formelles étatiques, à un moment, on vous fait respecter la règle parce qu'on a quelqu'un qui peut vous la faire respecter. Ça s'appelle la police et le monopole de la violence légitime. Donc on a bien entendu ces questions-là. Bon, je vois que le temps passe très vite. Donc, fondamentalement, je vais... Oui, vas-y. On pourra revenir sur l'histoire de l'État. Pourquoi il y a un problème avec l'État, parce que... Ouais, si tu veux. À la fin. Bon. Ça pour la fin. Ouais. Alors, ce qui peut devenir intéressant, c'est la quantité d'argent qui a été récolté. C'est vrai qu'au début, hein, on a des projets qui fonctionnent très très bien. Je vais vous le faire tourner, ça. Donc là, vous allez avoir la totalité des ICO depuis 2014. Vous voyez qu'effectivement, il y a eu un vrai pic à la fin de l'année, en 2017-2018. Vous allez avoir par mois... Vous allez avoir là, c'est plutôt intéressant, puisque vous avez les différents projets. Vous voyez que, bien entendu, les plus gros projets sont ceux des deux dernières années. Donc là, c'est presque intéressant, c'est de voir qu'une ICO comme celle d'Ethereum a pris moins que ce qui se construit sur Ethereum. Là, pareil, on est en droit de se demander si c'est cohérent. Et vous allez avoir un autre qui m'intéresse plutôt pas mal, que je pensais, qui est celle-là. C'est en comparaison des ventures capitalistes. Et là, ce qui devient intéressant, c'est que si au départ, vous avez bien entendu encore un financement par des angel investors ou autres qui irriguent de financement ces secteurs-là, à partir de 2017, vous voyez les ICO qui commencent à lever plus de fonds que les ventures capitalistes. Là, pareil, on peut comprendre qu'il y a une dimension d'échelle qui peut commencer à inquiéter les acteurs qui sont régulés et de voir des projets lever des millions et des millions sans aucune régulation. Parce que là, on a une concurrence déloyale. Donc, ne l'oublions pas, aujourd'hui, ces ICO ont levé des fonds très importants, des projets comme Telegram a levé plus de 750 millions. Ils veulent faire une nouvelle vente pour lever encore plus. Alors, des très grands succès, on a eu bien entendu Filecoin. Hein, moi, quand j'ai vu comment... Alors, ce qui s'est beaucoup développé, c'est les fameux SALT, si je me... SAFE, je ne sais même plus. Bon, c'est l'idée qu'on va avoir un agreement entre tous les acteurs, on va avoir différents rounds de financement. On va avoir une pré-sale, on va avoir une whitelist, hein, une liste blanche de gens qu'on fait rentrer, on leur impose d'acheter beaucoup de tokens, et puis après, on fait rentrer d'autres. Dans le cas de Filecoin, c'était intéressant parce qu'on avait des premiers investisseurs. Il y avait quatre niveaux de vol, hein, qu'on soit clair, parce que le mec qui passe en dernier à l'ICO, il prend un token à 0,60 centimes. Les autres, ils l'ont tous eu à 5, 10, 20 fois moins cher. Et puis pareil, on est en droit de se poser la question que le mec qui a mis un million parce qu'il était le premier à pouvoir accéder au coin, quand lui, le coin va se retrouver sur l'exchange, et ben, il va avoir envie de prendre tout de suite un petit peu de profit. Ça va bien entendu faire dumper le cours, et puis les investisseurs qui, eux, ont acheté au prix de l'ICO se retrouvent directement sous l'ICO. Voilà, ça pose un certain nombre de questions. Ce qui devient intéressant, c'est que dans l'annonce de la SEC, par exemple, toutes les initiales coin offering qui ont eu lieu avec ces schémas un peu bizarres, elles leur posent un problème particulier. Donc là, je pense à Filecoin, hein, qui avait levé, pareil, je crois, 500 millions. On a eu Bancor, qui avait levé 250 millions. Je pense que là, pareil, ils n'y attendaient pas, puisque ce qui est quand même à souligner, c'est qu'ils ont redonné à la communauté une partie de l'argent. Ils en avaient tellement qu'à un moment, ils ont dit « Ok, on va mettre un mur d'achat au prix de l'ICO. » Ceux qui pensent avoir fait une erreur, en fait, en plus, ils avaient eu des problèmes techniques. C'est qu'on était tellement nombreux, hein, ça a commencé, les ICO sont beaucoup, beaucoup fondés sur la plateforme Ethereum. Donc, de fait, la plateforme Ethereum, dans les jours d'ICO, a commencé à avoir des soucis. Je me souviens, j'ai essayé d'y participer. On envoie une transaction, elle ne passe pas. On en renvoie une, elle ne passe pas. On en renvoie une troisième, elle ne passe pas. Puis d'un coup, on voit qu'on en a envoyé trois. Là, c'est un peu gênant parce qu'on ne voulait pas en envoyer autant. Donc là, les mecs, je pense qu'ils y avaient pensé. Ils se sont dit, bon, on va en fait prendre tant de dollars de l'ICO et on leur dit, bon, on vous crée un mur qui va être grignoté petit à petit, mais les gens qui veulent sortir au prix de l'ICO, ils peuvent. Voilà, donc d'une certaine manière, ça leur a permis de, je pense, liquider un petit peu de trop perçu et aussi de valoriser un petit peu leur image. D'ailleurs, Initial Coin Offering, Bancor et ceux qui ont essayé de changer le mot, ils sont passés à du TGE, Token Generation Event. Ah, pareil, hein, je souligne la rhétorique pour essayer justement, parce qu'on commençait à souligner que les ICO posaient problème. Donc si le mot ICO commence à être juridiciarisé, bah, si nous on est sur du TGE, on ne pourra peut-être pas nous accuser de faire la même chose. Donc voilà, ce qui devient intéressant, c'est pareil, hein, comme on est dans un milieu, rien
n'est figé, donc on fait tout évoluer. Bon, et puis je vais m'arrêter là. Vous l'avez compris, on a à travers quand même ces systèmes, moi, des choses qui m'apparaissent intéressantes en termes de financement. Ça finance des projets qui n'auraient pas trouvé à se financer comme cela. Ça permet de faire émerger un écosystème avec des cohérences et des rétroactions d'un projet sur l'autre qui m'apparaît aussi assez sain, même si de fait, ça pose un certain nombre de questions. Et donc, ça doit amener, bien entendu, un certain nombre de régulations et de respect de la réglementation en vigueur, n'en déplaise à certains. La règle crée l'espace dans lequel on peut jouer. Donc, de fait, avoir de la concurrence pure et parfaite, c'est respecter un certain nombre de règles communes. Voilà. C'est-à-dire qu'au début, les acteurs, ils sont obligés de partir du droit. Le droit, il existe. Il y a déjà des catégories et ton but, ça va être de, d'abord, arriver à qualifier ton activité et à mettre ce que tu fais dans ces boîtes. Le problème, c'est que ces boîtes n'ont pas été faites pour cela. Et donc, on rentre dans ce que j'ai essayé de montrer tout de suite en introduction et qu'elle a montré aussi. C'est à un moment, là, aujourd'hui, on est face à des crypto-monnaies, ou en tout cas, si elles sont liées à des ICO, elles sont toutes à la fois. Elles sont un bien, elles sont un système de paiement, elles sont une sécurité. Non, à un moment, c'est logiquement, tu ne peux pas rentrer dans toutes les boîtes. Donc là, on voit bien que le travail, que les acteurs qui veulent en faire une activité économique pérenne et donc légale, ils sont quand même très embêtés parce qu'ils voient bien qu'on ne les attend pas du tout de la même manière en fonction de qui ils auront, de l'administration en face d'eux. Donc aujourd'hui, un cadre, il n'y en a pas vraiment. Il y a le cadre existant et là, on nous dit quoi? Bah, en fait, grosso modo, mon cadre des securities, il est bon pour tout. On va mine de rien être en droit de discuter de cela. Hein. Je ne suis pas sûr que tous ces tokens, avec tous les usages différents et les architectures qu'ils ont, ils soient tous compris comme étant relevant d'une action, d'une obligation. Et parce qu'encore, enfin là, c'est vraiment, c'est des questions. Là, quand on me dit tiens, actif numérique. Parce que si c'est des actions, et des obligations, moi je les trouve très profondément fongibles. Moi là, je suis économiste. Hein, moi j'aimerais, on lui met dans M1, M2, M3, M4, M5 ou quoi? C'est tout à la fois. C'est du M7 et du M0. Enfin, moi je suis paumé. Donc à un moment, moi-même presque en théoricien, j'ai envie de dire waouh, les gars, vous êtes de l'administration. Moi déjà, je trouve que c'est vachement flou toutes ces frontières. Mais je vois que là, je vois pas le cadre vraiment s'améliorer. Il y a des acteurs hein, qui commencent à vraiment dire « Ok, nous, on veut faire notre nid là-dedans. » C'est les Suisses, c'est le Japon, c'est la Corée du Sud. Parce que moi, quand encore une fois, c'est ce que j'ai voulu signifier tout à l'heure, moi, les pays qui annoncent publiquement qu'ils vont réguler les crypto-monnaies, c'est ils vous disent tous « Ok, les gars, on va fixer un cadre. » Souvent, d'ailleurs, ils fixent des sandbox. Et comme ça, jouez dans le truc, on regarde ce que vous faites. Et tu vois, et c'est plutôt aussi parce qu'il y a une dimension profondément géopolitique. Comme elle a essayé de le montrer, dans l'agenda de François Hollande, il y a un truc. C'est comme d'habitude, si l'Europe ne le formalise pas, si on le formalise en premier, l'Europe pourra partir de notre modèle pour formaliser sa règle. Ça nous donne un privilège puisqu'on est les premiers, donc on a les acteurs derrière. Donc on a là un enjeu géopolitique. Moi, ce qui m'amuse pour quelqu'un qui est un premier de cordée aussi jeune, qui devrait aller aussi vite, et je comprends qu'en plus il essaye de se délier de tous ces poids morts que nous sommes, nous les fonctionnaires, les pauvres et les autres, c'est marrant qu'il ne voit pas que là, il a un moteur de ouf. Peut-être qu'il ne vient pas du bon milieu et que ce moteur, lui, bah, il en a déjà un, hein, on sait d'où il vient aussi. Parce que son moteur, néanmoins, si tu veux, les ICO, elles ne se font pas en France. Enfin, c'est pas la France qui va donner une norme, elle va peut-être donner une norme. Enfin, les investisseurs et les demandes d'investissement, elles émanent pas de la France. Ou en tout cas, elles sont petites comme ça. On va être sous d'autres normes. C'est exactement ce que je suis en train de te dire. C'est un moment, être vouloir le premier de cordée, comme il le souhaite, bon, je sais pas, ça n'a jamais été mon but dans la vie, mais pour quelqu'un qui nous décrit, parce que c'est ça c'est son image, sa communication, on doit devenir les premiers. Bah, désolé, mais en termes d'investissement étranger, en tout cas dans les startups, les investisseurs étrangers, ils ne pensent pas à la France directement pour s'investir du tout. Non, mais là, je commence en plus à être contacté par des mecs, trucs, ils me le disent tous. Hein. Donc aujourd'hui, pour y aller, c'est tiens, on est français, on veut créer une plateforme, un truc, on ira se faire une fondation en Suisse. Je veux pas critiquer, hein. C'est normal. Donc, ce qui devient quand même intéressant, c'est pour quelqu'un qui dit qu'il va réformer la France, oh là, on sent la réforme, là, on sent la réforme d'une bonne vieille banque française qui a la main sur les deniers et qui ne veut pas lâcher. Là, tu vois, c'est juste pour quelqu'un qui dirait, ouais, on va tout casser et on va devenir ces premiers phénix libéraux qu'on devrait être depuis déjà 20 ans, cet amour qu'ils ont pour Thatcher, je trouve qu'il ne va pas jusqu'au bout, le garçon. Maintenant, tu sais pertinemment que ce n'est pas moi ce que j'appelle moi de ma vue, hein, mes vœux du tout. Mais c'est juste pour te dire, waouh, ils ont été rapides sur une dimension, alors qu'encore une fois, il y a un contexte qui peut l'expliquer. On peut dire quand même que le contexte là,
Tu vois, ça aurait pu être un élément moteur en se disant, tiens, en fait, pourquoi on ne va pas, nous aussi, rentrer dans cette concurrence internationale? Créons un super cadre intéressant pour ces firmes. On a, et ça, c'est connu, de très bons ingénieurs informatiques. Vous rappellerez d'ailleurs que l'école 42, qui a été créée aujourd'hui, a quand même une très bonne réputation aussi au niveau international. Donc, on commence à avoir un petit peu un gisement là, de ressources importantes.